On ne cessera de parler du viol en République démocratique du Congo. Chaque jour au moins, il y a des femmes dans un coin de la RDC, des femmes qui sont violées, notamment des jeunes filles. À Kinshasa aussi, ça se vit parce que c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Le dernier cas en date qui défrait la chronique depuis 24 heures, c'est la jeune fille qui habite Maluku, dans la Tchangou, qui a été violée. Et c'est Mademoiselle Emmanuela Zandi qui a attiré la sonnette d'alarme, qui a tiré donc la sonnette d'alarme avec sa publication de la jeune fille qui a été violée. Elle a 13 ans. On va l'appeler Annie pour besoin de confidentialité. Et malheureusement, vous ne pourrez pas voir son visage. Mais Annie demande justice, elle est ainsi que son papa. Nous l'avons rencontrée, nous avons fait un effort, on a appelé Mademoiselle Emmanuelle Azandi, qui est la coordonnatrice d'une ONG Ma Voisine, qui vient en aide aux femmes et aux jeunes filles notamment, principalement les jeunes filles violées. Nous sommes au bureau de Madame Emmanuelle Azandi. On rencontre monsieur qui accompagne son enfant, le papa donc de la jeune fille qui a été violée. Et pour la structure Ma Voisine, ce message doit être porté haut pour que on arrête un peu ce cycle de violence, des viols faits à l'endroit, surtout des mineurs en République démocratique du Congo, parce que ce sont des vies entières qui sont disséminées et ça ne fait pas bon et ça n'avance pas la République démocratique du Congo, car tous doivent contribuer. Je donne d'abord la parole à papa. Papa, bonjour. Bonjour. Kombo na onani, papa? Kombo na nga kasongo mwa na Darius Dada. Bouvandi na commune Antele. Na fandi na commune Antele, na Daipen, na Kanyizi. Voilà. Si ko toyoka ki lisolo e komela ki binu, likambo e komela ki binu, e komela ki mwana, na mukuse okoki ko expliquer biso nini exactement yo mutu oyena mwana e pa ya mama Emmanuela. Na eli koluka ka soutien po makambo eleke zo lekela ngai ki siko ndenge na fandi mosan na binu. E loko nini e komeli mwana? Mwana a vi zemi. Oh, bah, pessier na mutunga na yebe avec ce titi tazalaki na ndaku na ngai lokola grand frère lokola conseiller nga na ye toza na kombo moko mwasi na ye na mwasi na nga baza na kombo moko e coïncida ki bongo to komi pe libota moko bana na nga na bana na ye bakomaki pe ka famille moko suka filme ye aye ko pesa mwana semi nde ezo pesa nga basi mingi na motema nazo mikokate na nyonso tuna zo kokate. Moi na zana age ni exactement. Moi na zana 13 ans, ya zana 63 ans. Moi na zana classe ni. Moi na zana 7e. Atanga ka donc. Atanga. Akati déjà classe ou bien zo continuer classe? Non, non, akati classe te jusque là zo tanga na no classe. Azo tanga na no classe utile ngi tlo bazo tanga classe. Madame na Emmanuela to mona na ende na école ya bana nde ska ya zuli sango ya mwana. Siko ye papa wana a violé mwana pe a tieze ni aza wapi? Aza na prison ndolo. Bozo samba. Tozo samba na ye mais moi na réunir belema nyon surtout oyo magistrat zo singa ezalite compte tenu ya moyen financier. Il faut bana zo réponse ya réquisition médicale. Pour aller dans le dossier du tribunal, mais moi, je suis allé dans l'échographie, pour que ça soit examiné, continuité, on a des lignes à passer. Il y a un peu de temps pour que tu aies porté. Donc, tu as besoin de couper un abino, tu as besoin de couper. Madame Emmanuela, elle est venue dans le dossier pour rejoindre le dossier de la. Alors, ce qui est triste en même temps, Madame Emmanuela Zandi, c'est de savoir que ça ne s'arrête pas, apparemment ce n'est pas prêt de s'arrêter. Vous avez une structure, vous-même vous avez été victime, c'est vrai que votre cas on connaît, parce que vous avez accepté vous de vous dévoiler et de soutenir celles qui seront dans le besoin. 63 ans, 13 ans, c'est quand même un crime. Comment vous faites, vous vous organisez pour aider ceux qui viennent auprès de vous? Alors c'est très difficile de toujours commenter sur cette question de violence, parce qu'on a comme l'impression que rien ne marche, rien ne fonctionne réellement, on est encore en train de reculer. C'est vrai qu'à un moment donné, on a avancé un peu, mais maintenant, on a toujours toutes ces histoires
des filles de 13 ans, de 12 ans, de 5 ans, de 3 ans, des 6 mois qui sont violées. Mais jusqu'où on va où? On va où? Donc moi je pense qu'il est temps de faire une grande répression sur le cas de violence sexuelle. Une très très grande répression. On devra revoir en tout cas nos lois. Je pense que des cas comme ça, avec cette personne, elle mérite quand même une prison à vie, pas seulement 25 ans. Bon, je ne sais pas combien de temps il faudra. Mais il faut aussi que ce soit une condamnation publique pour que ça donne un exemple à toutes ces personnes-là qui n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que c'est. Les gens m'ont condamné, m'ont dit pourquoi j'ai mis l'affaire sur Facebook. Moi, je veux leur répondre parce que ce n'est pas le premier cas que je traite. J'en ai marre de traiter des cas comme ça. Jusque quand moi, j'ai besoin qu'on ait des filles qui soient protégées dans notre pays. J'ai besoin qu'aucune fille ne puisse subir ce cas. Et voir une fille de 13 ans violée et enceinte, la question se pose, est-ce qu'elle doit garder l'enfant? Est-ce qu'elle ne doit pas le garder? Voilà, c'est des questions qui nous fâchent. C'est des questions qui sont réelles, mais qui nous fâchent. Et jusqu'à quand on va continuer à parler de ces questions-là? Il est temps que ça change. Je suis bien d'accord que le viol, c'est partout au monde. Mais ça ne doit plus continuer en RDC. On a tellement trop souffert pour ça. Et je pense que les gens devraient beaucoup plus soutenir le jeune fille. C'est la jeune fille, c'est la première victime de la pauvreté en Afrique. Et au Congo particulièrement, si je dois le dire comme ça. C'est elle qui subit en fait tous ces déshonneurs, tout ça. C'est elle qu'on rabaisse. Donc je pense que si vous avez des filles dans votre famille ou à côté, prenez-les comme Annie. Prenez-la comme Annie. Venez en aide à Annie. Pas seulement à Annie, mais au travers d'Annie, toutes les filles qui sont pas protégées. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment se soucier de la protection de la jeune fille. Il y a beaucoup de cas, des cas de violence. Il y a aussi beaucoup de cas de suicide liés aux menstruations. Des cas d'humiliation, des cas de stigmatisation de filles. Pourquoi ça doit continuer comme ça dans un pays comme le nôtre où on a des gens qui ont la bonté du cœur, on a des gens qui peuvent aider pour que cela cesse. On a de grandes organisations qui travaillent aujourd'hui, qui travaillent très dur, mais ces organisations ont besoin de soutien de toute la population. Si toute la population ne se met pas à soutenir ces genres de cas, alors on ne sera qu'en train de sombrer, en train de se plaindre. Et c'est au gouvernement de faire la grande part, vous pensez? Moi, je pense que c'est au gouvernement de faire la grande partie, mais c'est aussi aux gens comme nous, aux gens, aux femmes, aux filles, aux hommes de ce pays, de soutenir le gouvernement dans cette démarche. Parce que le gouvernement ne le saurait pas si nous-mêmes, on ne s'implique pas valablement. Donc moi je pense que aujourd'hui c'est quelque chose qui doit vraiment nous interpeller encore plus. Je voudrais pas que cette histoire reste seulement une histoire médiatisée, une histoire qui se raconte sur Facebook. Il faut aller au-delà de médias, il faut aller au-delà. C'est la vie humaine. C'est quoi la vie humaine? Est-ce qu'aujourd'hui on considère une vie humaine? Quelle connotation, quel est le pourcentage qu'on donne à la vie de quelqu'un? C'est ça le plus important. Un Congolais qui souffre, il ne doit plus y avoir un seul Congolais qui souffre de ce genre de cas. On doit se soutenir, on doit unir nos forces pour que ce genre de choses ne puissent plus se répéter. Et j'en appelle aux parents, j'en appelle encore aux parents. Ne protégez pas vos bourreaux. Vous ne savez pas ce qu'en cours une fille ou un homme, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont violés, vous ne savez pas ce qu'encourent les êtres humains dans leur processus de post-viol, on appelle ça le stress post-traumatique. C'est incroyable. Moi, je l'ai vécu et je sais de quoi je vous parle. Donc, j'ai vécu ce qu'on appelle le tentative de suicide, j'ai vécu tout ça. Donc, ça veut dire que quand vous protégez vos bourreaux, vous tuez votre enfant. Mais aussi l'autre question, avant de prendre Annie,
Maître Fidéline, vous êtes avocate. La question, c'est vous aussi des avocates. Vous conseillez aussi parfois un arrangement à l'amiable plutôt qu'un bon procès, parce que le bon procès, ça peut vous prendre toute la vie, et c'est ce qui fait que les familles protègent les bourreaux parce que on n'a pas beaucoup d'argent, et d'aller payer les avocats et les honoraires des avocats pour faire le suivi et terminer les procès. Je pense que c'est aussi ça la grande question. Vous n'avez pas du tout tort de le dire, mais vous savez, en matière de violence sexuelle, on n'étransige pas. Lorsque vous violez, en tout cas, si vous êtes démunis, vous faites la lettre au barreau, le barreau va désigner des avocats. Le barreau est là pour ça. On désigne des avocats qui iront défendre pro deo. Moi, je suis une habituée de ces cas. Et nous ne cesserons pas de défendre ces cas. Le comble, c'est que les victimes, souvent les victimes sont des pauvres. Et les bourreaux ont assez de moyens, souvent assez nantis pour étouffer l'affaire. Mais dès que nous saisissons de l'affaire, en tout cas, on ne le laisse pas. On ne le laisse pas, on continue, on défend jusqu'à trouver gain de cause. Annie est trop jeune. Annie a 13 ans. Déjà à 13 ans, on est pénalement irresponsable. À 13 ans, on ne répond pas de ses actes. Mais elle se voit être mère à 13 ans par un bourreau qui n'est autre que le chef hiérarchique de leur papa, d'après les témoignages. L'enfant a subi toutes sortes de préjudices, puisque les messieurs l'ont menacé. Une fois que tu parles, je vais te tuer, je vais tuer tes parents. Elle a subi des dommages qui resteront ad vitam. C'est pour la vie. Alors, aidons la fille. Aidons-la à s'en sortir, puisqu'elle a déjà tenté de se suicider hier, d'après le témoignage de son père. Et là, c'est de trop. À Kinshasa, c'est fréquent actuellement. Nous vivons des cas comme ça, et il y a des familles qui, par manque de moyens, transigent. Or, dans cette matière, on ne transige pas. Dieu merci que le monde a su ce qui s'est passé. Voir un bourreau de 63 ans violer une fille de 13 ans, ce n'est pas la première fois. À chaque fois que le monsieur l'a violée, le monsieur l'intimidait. Si tu parles, je vais te tuer. Et il y a à peine quelques mois qu'elle a vu ses premières règles. Et du coup, elle rencontre cette situation. En tout cas, c'est triste. Tout ce que je peux dire est que nous allons défendre la bonne cause et nous trouverons gain de cause. Je suis tellement sous le choc que je ne sais rajouter des mots, en tout cas. Alors, Annie, est-ce que Banda Tongo Olié? Banda Tongo Olié? Emmanuela? Asalini? De Olié? Sikoyo, l'ilobano est anini. Olo ba moma kasi po batuba yo ka sa paswa. Parce que aux gens a besoin de continuer classe na yo. On a besoin de continuer classe. Yo linga kuko manani soki okoli. Docteur. Siko okosenga na nani akota makambo yo. Est-ce que aux gens a mutu moko ozokanisa oyebisa ye makambo na yo? Ozosenga na mama ani asunga nga penza. Olobi mama Denise. Mama Denise. Asunga nga yi. Asunga nga penza na nga posa na tanga.
Après, ça le beau comment pour que tu n'as pas besoin de clair, n'a pas tant à concocter. Parce que maman Denise a souvent la peine. Ok, madame, merci beaucoup.